1992, j'ai eu mon premier enfant, premier jour de ma vie où pour moi celle-ci eut un sens. Fier et heureux, lorsque j'ai pu le toucher, les larmes ont coulé, dès que je l'ai pris dans mes bras, apeuré de voir un petit homme, un enfant de moi. À ce moment-là, j'avais à peine 18 piges, tu vois. C'était l'école, l'esprit de famille à la cité. Les fausses magouilles, mais bon, staff là, j'ai pas mal tourné. Sabri, papa te dédie ce morceau, mon fils. Écoute bien ces paroles, car dans la vie, rien n'est facile. Comme dit Kerry, un jour on pleure, un jour on rit. L'avenir est rude, à toi de serrer les coudes. Et ça je te le dis, ici, personne ne te fera de cadeau. La vie est hardcore, c'est un combat chaque jour pour quelques pifetons. Les temps sont durs, prends conscience de cela. Rappelle-toi bien de ça, mais papa sera toujours là pour toi. Tu vois, les jours sont tous les mêmes en banlieue. Ça tisse, ça squatte le banc en attendant que tout aille mieux. Je crains le pire pour la suite de ton avenir. Marché du travail saturé, difficile de se sentir bien dans un monde où il n'y a plus de lendemain. Si je te parle de tout ça maintenant, c'est pour t'esquiver les fourriens malins. Sabri, c'est le message de ton papa. Message d'un père fier, écoute comme c'est sincère. Ça vient du fond du cœur, que tu dis ces quelques vers. Même si la vie est triste, que tu fuis pour ton futur, toujours à tes côtés dans tes moments. Message d'un père fier, écoute comme c'est sincère. Ça vient du fond du cœur, te dédie ces quelques vers. Même si la vie est triste, que tu fuis pour ton futur, toujours à tes côtés dans tes moments. 4 ans passés, j'ai eu un second enfant. Je te raconte pas la joie, les sensations à ce moment. C'était un 7 avril, l'instant de bonheur. Parmi les souffrances, les douleurs qui entourent mon cœur, aucun homme sur terre fut plus heureux que moi. Lorsque j'ai appris ce jour-là que c'était une princesse Sarah, ma fille, ma chère, mon sang, la prunelle de mes yeux. Y'a pas tant à perdre, je dois te raconter cette vie fielleux. Hostile, rempli de vices là, faux frères et sœurs. À l'aube de l'an 2000, je prie pour des jours meilleurs. C'est le cauchemar, chaque jour autour de moi. Œil pour œil, dent pour dent, Inch'Allah, je serai encore là. Quand tu liras ces mots, quand t'écouteras ce son, ça rage, t'envoie des mots, c'est papa, replier ses os, fais-toi respecter. Sinon on te traitera d'aspect. Prends exemple sur ta mère, personne ne lui a manqué de respect. Même à bout de force, je déplacerai des montagnes pour toi. Tu peux compter sur papa et toute sa famille, ainsi qu'à Wilda, que je considère comme un frère, qui a su me soutenir dans les moments les plus galères. Et ça c'est vrai, je te raconte pas de fausses histoires, mais tu comprendras plus tard les jours, les mois de cauchemar. Sarah, c'est le message de ton papa. Message d'un père fier, écoute comme c'est sincère. Ça vient du fond du cœur, te dédie ces quelques vers. Même si la vie est triste, que tu fuis pour ton futur, toujours à tes côtés, dans tes mots. Message d'un père fier, écoute comme c'est sincère. Ça vient du fond du cœur, te dédie ces quelques vers. Même si la vie est triste, que tu fuis pour ton futur, toujours à tes côtés, dans tes moments les plus durs. Comme c'est sincère, ça vient du fond du cœur que m'est. C'est le message.